Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, Jean 10, 19 nous dit ainsi « Il y eut encore division parmi les Juifs à cause de ces paroles. » Les paroles de Jésus, elles font du bien là dans le cœur qui est assoiffé alors pour la vérité. Mais la personne qui se querelle pour la religion crée des dissensions. Les uns peuvent même accepter, les autres non. Parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ici, ils sont en train de s'y approcher, mais nous devons parler alors à tout le monde, hein, exactement alors comme Jésus le faisait. Lui demandant alors l'onction pour ne pas parler de trop, hein, ni trop peu, hein, et parler au moment correct, une parole appropriée qui va alors transformer toutes les personnes. Et donc, je voudrais que vous priez alors à présent pour Dieu, à partir d'aujourd'hui. Dieu, ne me laisse pas être un religieux, mais fais de moi alors un pratiquant de la parole, hein. Qui, alors, quand je l'écoute, je la comprends. Quand je parle, que je parle avec confiance, et alors elle va produire pour vous ce dont vous avez besoin, et vous allez avoir beaucoup de succès. Hein? Regardons cette personne qui a eu du succès, nous revenons juste après. Vous avez de l'ostéopose, alors. Je fais de la kinésithérapie, ça fait... Et maintenant ? À présent, je vais parfaitement. Ah oui, c'est elle saute déjà. Gloire à Dieu. Vous voyez ? À présent est venu le moment de prier. Nous allons parler avec Dieu. Père, merci beaucoup pour la parole que le Seigneur nous donne. Il y a de la dissension, mais nous ne devons pas nous préoccuper. Au contraire, nous savons alors que le Seigneur nous utilise, même que dans un groupe, par exemple, de 100, un seul alors est donné l'attention. Dieu, là, il y a une âme qui vaut plus que tout l'or de ce monde. À présent, je voudrais bénir toutes les personnes pour attacher alors tout le mal qui les entoure, qui parle à leur oreille, qui les dévie du bon chemin. Et j'ordonne alors que tout ça sort au nom de Jésus. Et vous dites maintenant, Amen.